Ces paysans venus de 20 km à la ronde, à pied ou à dos de mulet, poussant leurs bêtes. Et il se trouvera soudain au détour de la route, devant une foule bigarrée d'où monte une immense poussière et un infini brouhaha, c'est le marché. Tizi Ouzou, qui a rang de sous-préfecture, est le point de transition où, dans un décor presque européen, se rencontrent les traces caractéristiques du vieux pays berbère et les apports de la vie moderne où le café mort et le marchand de sel, apanage des bourgs de la vieille Afrique, voisinent avec le garagiste réparateur de pneus des grandes routes modernes. Point de suture entre deux mondes, l'un banal à tous les yeux, l'autre encore trop inconnu, où cette route qui monte va nous faire pénétrer. Car déjà s'amorce les premières côtes de Kabylie, avec cette route magnifique, dont les lacets découvrent à chaque tournant un paysage plus vaste. Cette route, vieille aujourd'hui d'un siècle, a son histoire. Elle fut construite en 27 jours par les bataillons du maréchal Randon. Elle nous mènera à Fort National, l'ancien Fort L'Empereur, la première née des villes françaises en Kabylie, centre aujourd'hui d'une commune de plein exercice et d'une commune mixte qui groupent ensemble près de 90 000 âmes. Fort National est aussi l'un des centres d'où partent vers la France les Kabyles qui s'expatrient temporairement pour chercher travail et fortune. C'est de là que s'en vont ces travailleurs que les mines et les usines françaises emploient volontiers pour leur qualité, laissant au pays les femmes et les vieillards. Et l'on comprendra l'importance de cet exode au bureau de poste de Fort National, lorsqu'on saura qu'il assure chaque mois la distribution de quelques 30 millions de mandats envoyés de France à leurs familles par les travailleurs kabyles. Car le kabyle, s'il accepte de partir pour gagner sa vie, garde au pays natal des attaches indestructibles. Ce mandat mensuel qu'il envoie servira à acheter une maison, un champ, un petit domaine, où il reviendra plus tard vivre entre les siens sur la terre des ancêtres. À la saison des récoltes, on peut voir sur toutes les pentes ces groupes joyeux occupés à la cueillette, à laquelle tout le monde prend part. Pittoresque Kabyle. Il existe encore dans les villages éloignés de ces moulins primitifs, identiques à ceux qu'employaient les vieux berbères que ne purent abattre les Romains. Meules qu'ont remplacé aujourd'hui les moulins modernes, établis depuis une cinquantaine d'années dans les centres, mais qui continuent à verser le chaud liquide jaune d'or qui fera la joie du foyer. Nous nous arrêterons un instant auprès de la meule ancestrale. Nous regarderons couler le beau sang des olives, cette richesse liquide et parfumée dont l'odeur emplit à la saison chaque maison de Kabylie. Sur notre route s'ouvre la forêt. La forêt kabyle n'est pas une de ces forêts d'Europe aux fûts élevés sans effort jusqu'à de larges frondaisons. C'est une forêt d'une autre sorte. Le chêne liège y est roi. Autre richesse primitive du pays kabyle, chaque année on y récolte par larges feuilles cette écorce légère qui partira vers les fabriques de France ou d'ailleurs, où sa transformation s'accomplit. La forêt de Yakouren est l'un des centres mondiaux où s'approvisionne l'industrie du liège. Reprenons la route. Par de nouvelles côtes, nous atteindrons Michelet, qui étage ses maisons le long de sa grande rue à 1085 mètres d'altitude, et d'où l'on découvre un paysage montagneux barré au fond par les plus hauts sommets du Djurdjura, les crêtes de la Koukère et la pointe de l'Alla Khadija. Michelet, chef-lieu d'une commune mixte de 80 000 habitants, règne sur les contreforts de la grande barrière montagneuse. Dernier centre sur la route des montagnes, Michelet aligne le long de ses bâtiments modernes ses spectacles pittoresques et contrastés, le palabre des vieillards et au pied de sa mairie, l'écolier devenu écrivain public. Ici, comme en d'autres centres de Kabylie, la prévoyance française a créé un dispensaire, régulièrement fréquenté par la population, dont la mortalité enfantine se trouve aujourd'hui considérablement réduite.
en Kabylie aussi, l'apport français a été de créer pour ce peuple terrien une école d'arboriculture, où jeunes Français et jeunes Kabyles apprennent l'art complexe de la greffe et de la plantation, la science de l'arbre qui dans l'avenir décuplera peut-être la richesse de la Kabylie en faisant un vaste verger. C'est près de Michelet que s'élève l'ouvroir d'Aïtichem, créé voici 50 ans à la demande du pacha d'Abdesselem et réservé aux fillettes kabyles. Chaque jour on les voit, ces fillettes vêtues de cotonnade à la mode du pays. Ces fillettes qui, pour la première leçon, ont appris la propreté physique, à qui l'on donne en même temps l'instruction et un métier. Car cette école, qui a fait dans tout le pays kabyle la renommée d'Aïtichem, est l'une des grandes réussites de l'apport français. Ces fillettes, une fois sorties de l'école, font prime sur le marché du mariage. Elles parleront français et sauront, selon les meilleures techniques, tisser ces étoffes et ces tapis d'un dessin subtil et d'un art à la fois primitif et compliqué qui compte parmi les témoignages de l'art berbère. Mais ces fillettes témoignent aussi de l'importance qu'a prise en Kabylie l'assistance médicale depuis 100 ans. À Michelet, et c'est un exemple entre autres, les fillettes d'Aïtichem vont régulièrement subir un examen de santé à l'hôpital Sainte-Eugénie, où le personnel et le matériel répondent aux plus extrêmes exigences. Grâce à ces aménagements sanitaires, la vie kabyle, autrefois menacée par les maladies et la déficience de l'hygiène générale, a pu remonter la pente et s'assurer plus fortement pour l'avenir. Mais c'est une marque de la continuité de cet effort que ces adductions d'eau, que ces barrages qu'on voit peu à peu surgir dans les vallées encaissées. Demain, ils permettront de créer dans tous ces villages perchés sur leurs pitons, grâce aux centrales électriques dont certaines sont déjà en action et d'autres en plein achèvement, plus de travail et plus de bien-être. La force électrique donnera du travail et du pain à cette terre peu hospitalière où une race n'a pu vivre qu'à force de volonté. Déjà, la route qui permet les échanges, qui facilite les transports, a été le premier bienfait. Le Kabyle, enfermé dans ses montagnes et qui n'avait que des sentiers, on connaît maintenant le charme et l'utilité. Grâce à elle, les voisinages sont plus fréquents, les transactions plus commodes. Au pied même du Djurdjura, le marché de Djemma a vu croître ses échanges et sa clientèle habituelle. De bien loin, grâce à la route, affluent à Djemma les bergers des montagnes et les artisans des villages. Au milieu d'une forêt d'oliviers, au bord d'une rivière qui ne tarit jamais, le marché de Djemma mêle la foule bruyante des marchés de tous les pays autour des éventaires pittoresques. Le potier y étale sa vaisselle. Le tailleur y cousse son vêtement, dans ce mouvement continuel de marée humaine, au son du marteau du maréchal qui fait des mules à grands coups. Mais la caractéristique de Djemma, c'est son marché aux bestiaux et sa boucherie en plein vent, où en l'espace d'une journée, des centaines de bêtes passent à l'abattoir. Tableau brutal et haut en couleur, où la vieille Kabylie apparaît dans sa truculente robustesse. On ne connaîtrait pas la Kabylie sans avoir vu ces 6 villages qui en sont proprement le cœur. Sans doute, depuis l'ère française, les villages ont changé. La dure silhouette du château d'eau qui domine Aït Larba en est le premier témoignage. Car aujourd'hui, ces 6 agglomérations qui groupent la plus forte densité humaine en pays kabyle, 248 habitants au kilomètre carré, connaissent sur leur sommet le miracle de l'eau vivante, cette eau qu'il fallait naguère charrier le long des pentes. Village de Beni Yeni,
le centre de l'artisanat kabyle. Il compte surtout, et depuis les temps les plus anciens, une population dont l'évolution intellectuelle et manuelle fut toujours en avance sur celle de leurs frères. Ici, dans chaque maison, un tour ronronne, un marteau teinte, un rabot gronde. Ici, l'orfèvre compose ses lourds bijoux d'argent. Ceux-ci, qui faisaient l'orgueil des siècles passés, ceux-là, auxquels l'époque a donné un nouveau tour. Là, l'ébéniste ajuste ses coffrets délicats incrustés de nacre ou d'ivoire, dont les dessins gardent le caractère d'un art particulier resté pur des apports étrangers. C'est à cause de cette sorte de maturité intellectuelle que traduit si bien la vie artisanale des Beni Yeni que la France a tenu à leur donner depuis des années un statut administratif spécial, en y créant des centres municipaux résolument autochtones et en conférant l'écharpe de maire à des citoyens choisis dans la population. Cette innovation a depuis été grandement élargie, mais ce sera l'orgueil de la Kabylie d'avoir en Afrique du Nord donné les premiers musulmans saints de l'écharpe tricolore. C'est ainsi qu'on peut voir, comme au centre municipal de Tassaf Tougemoun, autour de son maire revenu de Paris après y avoir travaillé des années, un conseil municipal uniquement composé d'enfants du pays, examinant avec compétence les affaires de la commune, réglementant, décidant et statuant avec autorité sur l'administration communale. C'est pour une part aussi à cette maturité de la Kabylie prise comme exemple que l'exercice du droit de vote a pu être instauré dans l'Algérie sans difficulté et sans trouble moral. La démocratie est d'ailleurs depuis toujours dans les usages et dans la vie du pays, et il n'est pas inutile de rappeler que les Kabyles ont de tout temps vécu au milieu de leurs montagnes dans l'usage journalier des règles de la vie démocratique. C'est pourquoi, dès 1883, cette école, la plus vieille école française d'Afrique, s'élevait à Taourirt Mimoun. Vieux mur où depuis plus de 60 ans sont passées plusieurs générations de Kabyles et où sans conteste s'est forgé dans les âmes des enfants qui y passèrent le vrai sentiment de la solidarité française. Depuis, l'œuvre s'est affirmée. Les écoles se sont multipliées. L'instruction s'est développée. Déjà, la Kabylie fournit des instituteurs. Et il n'est pas rare de rencontrer parmi eux des ménages d'instituteurs, lui kabyle, elle française. Ainsi, dans la plus vieille école d'Afrique comme dans la plus récente, cette école destinée aux filles, extraordinaire évolution car jusqu'ici la coutume kabyle s'y opposait, s'opère la grande tâche d'instruction et d'éducation qui assurera au peuple kabyle les gages d'un avenir florissant.